J'aime bien la culture, la couleur, mais c'est un jeune ça. Ah oui, ça c'est un jeune, elle a 7 mois, c'est encore un bébé. Oh, regarde comme elle. À côté, vous avez deux femelles. Manhattan, elle va aller sur ses 2 ans. Et Juliette, qui est à côté, c'est la plus vieille de la meute. Elle a 5 ans. Alors, 5 ans, ça peut paraître très jeune pour la plupart des gens. Mais la durée de vie d'un Irishon est entre 6 et 8 ans. Donc, elle est déjà vieille. Ouais. Ça ne vit pas vieux pour deux raisons. La première, malheureusement, c'est leur cœur. Du fait qu'ils ont une croissance fulgurante et importante, malheureusement, le cœur a du mal à le supporter. Il est tiré énormément. Il faut imaginer, vous prenez un élastique, le petit chien, l'élastique, c'est son cœur, il va grandir tout doucement, donc vous allez le tirer, mais tout doucement et très longtemps. Chez un Irish, vous prenez le même élastique, sauf que lui, quand il grandit, l'élastique, il fait comme ça. Donc, il va lâcher plus rapidement. C'est pour ça que le cœur lâche. Et la seconde raison, malheureusement aussi, c'est que le fait qu'ils atteignent une très grosse croissance au niveau osseux, ils développent aussi des carences, c'est-à-dire des dysplasies du coude ou des problèmes au niveau cancérigène. Attention, petit chien. Maintenant, chez un Irish, vous pouvez commencer à reproduire que quand votre chien a 2 ans et demi, et vous arrêtez de reproduire quand il a 4 ans. Donc ça vous laisse en gros 4 tentatives, sachant qu'en plus, le problème qu'on a actuellement dans le monde de l'Irish, c'est qu'on a sélectionné l'Irish pour la beauté et non sur le plan physique. Donc on cherche à avoir des mâles très très grands. On a sélectionné des mâles très très grands parce qu'on pense que c'est les plus beaux, les plus forts, tout ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous avez des mâles très très grands et des femelles très petites. Donc quand ils s'accouplent, les mâles ils s'y pointent comme des manches et du coup ça se passe pas très bien. Donc, alors les chiots, c'est aléatoire, ça peut être très bien 1 à 2 chiots, le minimum. Après ça peut monter jusqu'à 15, 16, voire même 17 chiots, c'est ce que j'ai déjà vu. Après quand vous avez des grosses portées comme ça, il y a une sélection naturelle qui se fait et tout le monde ne survit pas, même si les éleveurs essayent. Le lait maternel est quand même primordial et malheureusement il y a une sélection qui se fait. Ils ont un regard. Qui est particulièrement reposant. C'est reposant. Oui. Vous allez regarder. Ils ont l'air très paisibles. Voilà, c'est un plaisir de regarder. En Irlande, on dit qu'ils ont un regard perçant qui sait vous juger. Oui. Et c'est vrai que quand ils regardent avec leur regard, ils leur marchent.